Vanessa Paradis, est-ce que ça dure ou est-ce que c'est vraiment fini, comme Europe 1 nous l'a annoncé la semaine dernière? Non, mais j'ai entendu cette annonce d'Europe 1. Oui. C'est la honte d'une station. C'est la honte d'une station. On a le directeur derrière la vitre. Alors, mais c'est quelque chose d'hallucinant. Il y a un type qui était là, je ne sais pas comment il s'appelle, tu vois. Il dit, alors, maintenant, il avait annoncé tous les trucs, le naufrage du bateau, le retour d'Hollande, les sondages, tout le truc. Il dit, je ne sais pas, je vous l'annonce sous réserve. Surtout, ne prenez pas des choses tragiques. Parce que les Américains eux-mêmes ne sont pas sûrs de la vérité de ces gens. Moi, je croyais qu'il allait dire, bon, Obama était assez assassiné, il paraîtrait. Enfin, mais ne le prenez pas pour argent comptant. Hein. C'est avec mille guillemets et mille conditionnels que je le dis. Il paraît que le couple Vanessa Paradis et Johnny Depp se séparent. Et même Angelina Jolie lui a écrit une lettre à Johnny Depp pour lui dire ne fais pas ça. Ne fais pas ça, et ben ça n'a pas marché. Alors, on ne sait pas vraiment, et il paraît même que... Regardez, si je m'en souviens tellement de cette nouvelle, la façon dont on l'a annoncé m'a surpris. Ouais, alors, il paraît même qu'il y a longtemps que ça ne va plus entre eux, et qu'ils n'habitent plus ensemble depuis longtemps. Mais surtout, ne le prenez pas pour argent comptant. Il n'y a rien de sûr, ils disent. Ouais. Il n'y a rien de sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous leurs gosses, tous ces gens-là, qui achètent des gosses à l'étranger? Non, pas eux. C'est pas... Pas eux? Non. Et Angelina Jolie? Ah bah Angelina, c'est... Il est là, comment, Brave Beat, là, avec les gosses? Brave Beat. Avec les gosses, ils sont là, ils ont quatre gosses. Qu'est-ce que vous en voulez, un jaune, un noir, un machin? Et ils sont là avec leurs gosses. Ah, il est trop bon père, on dit. Mais qui crève, tous ces gens-là?